c'est devenu une quasi-tradition dans notre maison. Elle est très indicative de l'intérêt que porte le conseil départemental à l'économie en général. Vous savez, quelles que soient les grandes tendances, quelles que soient les lois ou les transferts de compétences, nous avons toujours considéré que les conseils départementaux avaient aussi leur rôle à jouer en matière économique. La transition, elle va revêtir plusieurs visages. Nous avons concouru et obtenu le label TIGA, Territoire Innovant et de Grande Ambition. Je vais vous indiquer la transition en matière agricole et alimentaire, la transition en matière numérique et la transition en matière de nouvelles énergies. Donc nous sommes présents dans ces trois secteurs et nous essayons d'intervenir en relation très étroite avec les différents partenaires. Il n'y a pas d'action publique significative en matière économique s'il n'y a pas une relation très étroite avec le secteur privé, et nous essayons d'accompagner les initiatives naissantes. Nous sommes, comment dirais-je, très, très proches de tout ce qui est innovation et nouveaux projets. Nous essayons de nous frayer le chemin de l'accompagnement le plus efficace possible. Nous sommes très impliqués sur le numérique, et le numérique en soi est un sujet sur lequel la transition va s'effectuer, et c'est lourd de sens et de déclinaisons très concrètes. L'agricole et la nutrition des hommes, la nourriture de l'humanité, c'est quelque chose de très important, et les nouvelles énergies. Nous savons qu'il y a des gisements d'initiatives. Il faut regarder ceci avec beaucoup de rigueur, de lucidité, mais également d'allant. Disons que le facteur déterminant, ce sera le choix, la volonté des entreprises à s'en emparer, si je puis dire. Et là, je puis vous assurer qu'on ne s'économisera pas, parce qu'il n'y a pas d'exercice plus passionnant que celui auquel on se livre maintenant.